c'est notre devoir, former c'est notre désir. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire d'Economa News ce jour, Camtel déterminé à devenir leader de la transformation numérique au sud du Sahara d'ici 2030. Innovation technologique et offre d'emploi, c'est également dans ce journal. Voilà pour les titres. Camtel déterminé à devenir leader de la transformation numérique au sud du Sahara d'ici 2030. La célébration de la 138e fête internationale du travail était la deuxième ronde des activités organisées par Camtel ces derniers jours. Le 30 avril 2024, l'entreprise a organisé la journée Camtel des entreprises. Le but étant de savoir comment le numérique contribue-t-il au renforcement de la compétitivité des entreprises. Cher UNESCO d'Afrique centrale, AccessTIC forme les jeunes d'OIM. Le programme qui a été lancé le 4 mai dernier dans cette ville gabonaise par le ministre des Comptes publics, Charles Mba, en présence du représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand Claude Abanda, titulaire de la chaire, ira jusqu'au 14 juin 2024. African Women in Tech Startup a tenu son pari à Douala sur le challenge en innovation pour la journée internationale de la jeune fille dans l'éthique. Compétition centrée sur le codage avec de nombreuses récompenses qui a connu la participation de plusieurs centres de formation. C'était le 4 mai dernier. Grâce à l'innovation technologique dans Economa News de ce jour, Luma Job est notre priorité. Site d'emploi qui propose des offres d'emploi, des stages et concours au Cameroun et dans d'autres pays en Afrique. Luma Job vous offre une diversité de choix en fonction de votre profil et de vos préférences professionnelles pour vous permettre de réaliser vos rêves de carrière. Economa News rentre en gare avec quelques offres d'emploi comme d'accoutumé les mardis. Médiatude de recherche pour le besoin de ses services à Yaoundé, un ou une stagiaire journaliste rédacteur web a postulé avant le 15 mai prochain. Business Consulting Service appelle à candidature un responsable marketing et commercial dans la ville de Douala. Bac plus 2 dans le domaine, c'est l'expérience requise à postuler avant le 10 mai prochain. Hélène Keller International à Yaoundé également lance un appel à candidature au poste du chargé du suivi et évaluation. La date limite des dépôts des dossiers est fixée au 12 mai prochain. Fin des offres d'emploi avec les Boissons du Cameroun qui recherchent un architecte plateforme, infrastructure et système. Dans la ville de Douala, Bac plus 5 en informatique, c'est l'expérience qu'il faut pour ce poste. À postuler avant le 10 mai 2020. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Economa, disponible gratuitement sur Play Store et App Store.